Quel est le nombre manquant Alors là, on a des nombres. En fait, c'est comme si on comptait à partir de 100. Alors 100, 101, 102, 103, 104, 105. Et puis là, il manque un nombre. Alors en fait, le nombre qui est là, bah, est, ça doit être le nombre qui est juste après 105. Alors, euh, quel est le nombre qui est juste après 5 bah, C'est 6. Donc le nombre qui est juste après 105, bah, c'est 106. Voilà, on va faire ça. Et du coup, le nombre qui est juste après 106, bah, c'est 107, puis 108, puis 109, puis 110. Donc ça, ça doit être bon. On y va. Voilà, ça marche. On va en refaire un. Quel nombre entier vient juste après 102 Alors, bon, le nombre juste après 2, c'est 3. Donc le nombre juste après 102, c'est 103. Et d'ailleurs, si on compte à partir de 100, ça fait 100, 101, 102, puis 103. Donc ici, on va mettre 103. Voilà. Ça devrait être, ça devrait être bon, c'est pas trop difficile. Voilà. Alors, écrire les nombres manquants dans les cases. Alors on a 8, 9, 10... Puis là, il y a une case vide. Ensuite, il y a 12, 13, 14. Et puis une autre case vide. Alors ici, ben, c'est le nombre qui est juste après 10, juste avant 12. Donc quand on compte hein, 8, 9, 10, celui qui vient juste après, c'est 11. Donc ici, on va mettre 11. Et celui qui vient juste après 11, ben, c'est 12. Donc ça marche. Hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et puis là, il faut qu'on mette le nombre qui vient juste après 14. Alors juste après 4, c'est 5. Donc juste après 14, c'est 15. Voilà. Donc si je me remets à compter à partir de 8, hein, ça, ça marche puisque ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien, bien ça. Alors on va voir si ça marche. Voilà. Alors on en fait un dernier. Alors là, on a toute une grille de nombres. Hein. C'est comme si on comptait. En fait, les nombres sont rangés comme ça. On commence par 1 et on finit ici. Donc. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je passe à la ligne de dessous, du dessous. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et ainsi de suite jusqu'au dernier nombre qui est lui là, qui est celui-là, 100. Donc là, on a en fait tous les nombres de 1 à 100 qui sont disposés dans cette grille. Alors, il bon, y a une case qui est vide, c'est celle-là. Alors ce nombre-là, ben, c'est le nombre qui est juste après 88. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le nombre qui est juste après 88 ben, Le nombre qui est juste après 8, c'est 9. Donc le nombre juste après 88, c'est 89. Et puis euh, donc, je, vais, je vais écrire ça. Hein. Donc 89. Donc ensuite, ben, il faut... Le nombre juste après 89, il faut que ce soit 90. Et effectivement, c'est bien ça. Hein. Donc si on compte à partir de 81, par exemple, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, et ainsi de suite jusqu'à 100. Donc ça marche. Allez, on vérifie. Voilà, ben c'est ça. Bon, c'est assez rigolo, donc on va, on va en faire encore un. Alors, bon, ben là, on a déjà fait ça hein, plusieurs fois, donc ce n'est pas trop difficile. On a 110, 111, 112, 113, 114. Et puis le nombre qui est là, ben, ça doit être celui qui est juste après 114. Alors le nombre juste après 14, c'est 15. Ou alors si tu veux, tu peux aussi te dire que le nombre juste après 4, ben, c'est 5. Donc finalement, le nombre juste après 114, ben, c'est 115. Alors on le met, et effectivement, on va, on va continuer. Hein. Après, après 115, on doit trouver 116. C'est ce qui est noté là, donc ça marche. Puis 117, 118, 119, 120. Donc ça doit être ça. On va vérifier. Voilà. On va s'arrêter là pour cette fois-ci.